Pourquoi je démarre comme ça? Tu vas voir. Ça va te faire drôle. Je te le dis tout de suite. Prêt? On y va. Ah, je préviens toujours. Oui, je le fais super bien. Psyvaria, je l'aurais pas déjà chroniqué, vous me direz. Bah oui, je l'ai même chroniqué deux fois, puisqu'il y a eu un remix déjà à l'époque. Mais j'avais pas eu le privilège de tester la version Steam encore. Et donc, bah, c'est pour ça que je me fais une petite session dedans pour voir si ça a été bien converti, s'il y a des modes bonus, et si c'est toujours aussi étrange à maîtriser, parce que le gameplay est très particulier. Mais ça, je vais le rappeler pendant la partie, puisque moi-même, est-ce que je l'avoue? Oui, je ne me rappelle plus trop comment on joue à Psyvariar. Oui, je vous rappelle qu'il y a plus de 600 shmups qui sont passés entre mes doigts pour vous les chroniquer et vous les faire voir. Donc forcément, je retiens pas tout. Oui, le syndrome de l'amibe. On a un normal game, qui est donc le jeu d'arcade de base. Un practice pour les gens qui veulent s'entraîner, parce qu'il y a beaucoup de leech dedans, je crois. Oui, le leech doit faire, de ce que je me rappelle, partie de ce qui recharge vos fonctions de super tir, une connerie comme ça. Du ranking, des options, on veut tomber là. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, on fonce. Est-ce qu'il y a un petit rappel du fonctionnement du jeu au démarrage? Ce serait super sympa. Oh, on peut changer le vaisseau. Oh, il est beau celui-là. Non. On va faire avec celui-là, il est très joli. Ça c'est validé. C'est quoi cette skin? Ah non, c'est les versions du jeu justement. Donc le classique, Medium Unit. Ou le révision. On va se faire révision je crois. Ah bah il y en a Delta. On va se faire Delta direct. On va faire le révision pour voir si on met les pattes au même endroit déjà. Et puis c'est rad déjà bien. Oh, que c'est rigolo de remettre les pattes là-dedans. Oui, moi je ne l'ai connu que sur émulateur, ce pauvre jeu. Pas de bande d'arcade, pas de version sur les machines sur lesquelles il était prévu. Et donc je me suis retrouvé comme un kek à découvrir le titre comme ça. Voilà, c'est ça. Faut bien faut branler le stick pour que votre tir soit découplé. Et il faut également glitcher de ce que je me rappelle. Pour pouvoir avoir. Accès à je sais plus quoi. Je sais plus quoi là. Voilà. Leech, on aime bien ça. Alors pour les noobs, je rappelle que le leech c'est le fait de frôler les boulettes à l'écran. Volontairement. Comme ça. Voilà. Parce que dans certains jeux comme celui-là, bah, ça permet de déclencher des bonus qu'on n'a pas ailleurs. Ici, ça me fait monter un niveau. Et cette musique synthétique du Turfu, toujours d'actualité, puisqu'on n'a toujours pas entendu ça en boucle en FM. Let's go, dude. En tout cas, c'est beaucoup plus propre que l'émulation qui, à ce jour, reste quand même vachement approximative. Beaucoup plus propre. Et j'ai pris un niveau. Je crois qu'une grosse chose m'aurait sur la gueule, probablement.
Oh, c'est très coloré par rapport à la version originale, ça. On l'entend bien la manette, Chiquine. Voilà, un frein de permission. On va pas tarder à crever, Peter. Alors je pense que vous avez un peu le son au taquet, je vais le rebaisser. Oui, j'ai pas envie de crier aujourd'hui. Hop là. Ça doit être encore très très fort, mais c'est pas grave. À l'attaque! Ah merde. Oui, ça y va, aujourd'hui, ça y va. On n'est pas là pour la plaisanterie. Le plaisantage, c'est fini. Ok, bah j'ai passé une bombe, hein. Je savais plus le bouton que c'était justement. J'avais besoin de cette info. Player close up. Qu'est-ce qu'on voit bien, c'est magnifique. Les boss quoi, sont quand même vachement plus jolis. C'est beaucoup plus coloré. Je sais pas si c'est mieux du coup, parce que moi j'aimais bien les teints un petit peu restreints, la version originale. Ça gère aujourd'hui, hein. Ah putain, jusque maintenant. À chaque fois que je dis un truc bien, de toute manière, le jeu me punit, moi. C'est le vieux dicton de The Big Demoski. Ah purée. Sûr, faut serrer les niches quand même pour passer dedans. Il pique un poil. Merde, j'aurais dû bomber, moi. Je me suis bloqué du bouton pour la bombe, en fait. J'ai tellement trop l'habitude que ce soit sur la petite touche rouge au lieu d'être la petite touche jaune qui est très très loin en haut. Comment ça je dis pas les symboles qu'il y a dessus? Je sais pas lire, enfin vous le savez bien, je suis un chmepeu. Ma vengeance va être terrible. Je vais monter ma gauge. Ma gauge à donf. Hop! Pas comme ça en tout cas. Oh. Comment je me suis liché? Oui, on ne dit plus liché maintenant, c'est fini, ça se dit. On dit wiché, c'est enfin devenu officiel après des années à insister. Oh, le fumier, hein. Calmos. Calmos. Pense à Jean-Pierre. Bien à toi Jean-Pierre, tu me regardes de l'au-delà, en train de souffrir sous des boulettes. Je ne vais pas tarder à te rejoindre de toute manière. Quel warning. Là, on m'a pas prévenu, je suis pas au courant. Deux secondes, mes clés encore. The keys. The big demoski kikikikikis. Oh là 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 là. Je me suis mis tout seul alors que j'aurais pas bougé, c'était bon. Là. Non, je ne veux pas bomber, j'ai mon honneur. Honneur de chmepeu. Ça vaut pas tripette, mais... L'intention compte. Faut que je trouve les endroits. Alors, c'est vraiment des endroits très précis. Faut vraiment pas bouger, quoi. Et ça demande un peu de patience. Et de rodage, comme on dit. C'est pas fini, vous n'allez pas croire. Il est malin, il est fourbe. Regardez-moi ce regard. Comment ça, il n'y a pas de regard sur un vaisseau. Et si, je viens. Hop, putain. Hop, putain. Danse, piétondre. Ah oui, c'est le danse piétondre. Alors, celui-là, j'avais dû dire cette expression dans le premier stream sur le jeu, quand j'ai découvert ce pattern.
j'ai fait le putain, il faut qu'il s'arrête, hein, je peux plus. Et voilà. Ça avait dû être le même genre de tir. J'ai pas le temps de bomber. Oui, bah là, je voyais pas d'autre moyen. Ah non, pile dessous! Je suis désolé, c'était nul mon passage sur ce boss. Je le referai pas. Enfin, pas comme ça, au mieux, ça va pas être très dur. Alors, un petit détail quand même, qui est vraiment énervant, parce que j'ai longtemps hésité à acquérir cette version refaite de Psyvaria, c'est que sur Steam, il vous a indiqué que le jeu n'est compatible qu'avec Windows 10. Et non! Non! Là, je proteste! Parce que moi, regardez, je suis sur Windows 7 et il marche ce putain de jeu. Donc si vous avez le doute, je vais le lever. Hein. La version que vous êtes en train de regarder là, c'est tout à fait tourné sur mon Windows 7. Comment ça, on n'a plus le droit d'utiliser Windows 7 aujourd'hui? Je peux pas le dire. C'est une arme sophistiquée pour me protéger des réseaux du futur. Et vous ne le savez pas encore, pauvres esclaves de Windows 10. Ah, putain, ça passe vraiment à un poil. Aïe aïe aïe, j'aurais pas dû bouger, mais quelle nouille. Je crois que j'ai un gros truc qui m'arrive sur la gueule, je ne sais absolument pas ce que c'est, au secours. Ah mais c'est toi, je te reconnais, on s'était vu il y a pas si longtemps. C'était dans TBG numéro 400 et quelques. Non? Il me semble, pas bouger. Alors moi, pour moi, les déplacements du vaisseau sont trop vifs. C'est peut-être mon côté vieux. Et, du coup, j'arrive pas à me faufiler où je veux, quoi. Tu vois? Pas bouge. Ah si, t'as bougé un peu. Non, je ne bomberai pas, j'ai ma fierté, j'y tiens. Oh, buzzer. Celui-là, si tu le connais pas, pour l'anticiper, faut quand même faut y aller, quoi. It's in the morning. Everything gonna be alright. Attention. J'ai bombé pourtant, mais elle est jamais partie ma bombe. J'ai bombé 2 heures avant maintenant. Oui, je vais faire le punk. Et vas-y, fais le malin, fais ton bardeau. Oh putain, j'ai fait de la merde. Celui-là, il a dû le sentir quand même. Un petit poil, quoi. Hop, putain. Le jeu est toujours aussi douloureux. Mais, on va pas s'arrêter là. Il y a un nouveau mode. Faut bien que quelqu'un se sacrifie pour l'essayer. Moi ? Allez, au hasard. Celui-là, il va vite dégager du tableau, de toute façon. Hop là, ça c'est check. Quel est donc ce nouveau mode ? No more game ? No, I don't want a no more game, man. But I woke up this shit. Qui part-il sur lui-même intérieur. Le Delta, c'est celui qu'on vient de faire? Détrompez-moi. Non, j'ai vu la différence. Ça y est, papy, on l'a perdu. Alors, je regarde mon propre stream pour savoir lequel je viens de tester. Moi, je croyais que c'était la révision. Non, c'est bien, c'est bien une version différente, ça va mieux.
coup, je vais avoir des nouvelles blagues. Faut que je m'attende à tout. Ah, ça passait, mon gros. Alors, c'est rigolo parce que cette musique de tableau me fait particulièrement penser à Power Woman avec sa petite flûte des Andes. Ah, purée. Pas, je parle. C'est la flûte des ondes, ça me porte pas à bonheur. Mais c'est vrai que ça me fait penser un peu à la bourrée de Power Me, en moins métalleux. C'est où ce subtil déplacement et cette gestion de l'espace qui parfois n'existe carrément plus, on a l'impression quoi, on se fait non mais je passe pas là. Si si on passe. Faut rester cool. Il est tout comme dit. Et je lui ai mis sa tatouille quoi. Celui-là était pas trop moche tout. Ah tu fais moi le malin maintenant. Alors on le secoue le joystick, hein, parce que je vous rappelle que le tir. En général, avec l'accumulation de puissance, il a tendance à s'écarter sur l'écran. Et si vous voulez focus le tir, le concentrer, il faut faire des petits droites-gauches en permanence. Quoi. C'est pour ça que vous entendez pas mal le pas de claquer derrière. Hop, dommage. Ils ont rajouté des ennemis, je crois, sur celui-là de tableau, apparemment. Qui vous font un peu la fête, d'ailleurs. Hein. Mais putain, je me mets dessous, c'est pas possible. Oh, fan de chichour. Lui, le fan de chichour. J'ai jamais su à quoi ça correspondait, un gars du midi pourra peut-être m'éclairer, mais l'expression est tellement jolie. Pourquoi renier? Bon après t'as fratcheux de con, mais c'est... ça va plus direct au sujet quoi. Et là gros, et là gros, j'ai un truc à te dire. Oh, oh gros, amène ta viande, amène tes cuillères. Des réacteurs, des tourelles, des lasers, des... Ah oui, le laser, je me méfie d'ailleurs, je crois. Le laser, le famous laser, comme dans Steam Power. Ah, quelle... Oui. Choco, choco. Oh, 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 oh. Il est toujours chaud chaud celui-là, avec ses rails de tir là, c'est... Tu vois que ça part, tout de suite tu lâches le bouton de direction et tu fais... Je bouge plus. Si je bouge, je meurs. C'est moi qui me jette sous les boulettes. Une fois que t'as compris ça, il passe quand même. Oui, bah, je la voyais pas bien venir là, j'étais très très mal engagé. Oh le rouge sur rouge les gars, non 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 non, fais pas ça. C'est chaud chaud là hein. Oh je passais gars, je passais. Hop. Comment ça je suis un peu colère. Bah tu. Vous le sauriez pas moins. Eh ben. Le wishage. Ah
Ah, regardez, il reste au milieu, il fiche au milieu comme des sauvages. Là. Ah, ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. La 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 la. On est mort en même temps, gars, ça compte pas. Allez, on se l'annule celui-là, il compte pas. Hop. Je me mets là, écoute. Un peu. Voilà, putain. Oh, tout ça pour se glitcher dans les 3 secondes suivantes, mais quelle erreur. Non! On va l'entendre le nom aujourd'hui, je crois. Nom de Zeus, nom de ce que tu veux, mais nom de bordel de... J'avais pourtant calculé mon passage de manière fort habile, mais le jeu n'a pas été compatissant. Ce jeu ne m'aime plus. Je me demande s'il m'a déjà aimé, en fait. Je crois pas. Mais... Bah, rien. Voilà. Pas le temps de se remettre dans le bain. C'est toujours le même défaut qui se traîne quand même, c'est que... Quand tu rattaques au milieu d'une nuée de boulettes, ta vie te semble bien frêle, en fait, sur ton destrier de méta. Voilà. Et du coup, on se prend des bonnes tatouilles, quoi. Quoi, hard? Non. Pire? Méchant? Bad boy? On y va. J'avais peur. Bon, des fois, c'est un peu long à zigouiller tout ce petit monde là. Alors, la hitbox, hein, je vous le rappelle, elle est microscopique sur mon engin de la mort. C'est pour ça que j'en profite à mort pour justement, faut pas chercher à esquiver les tirs, faut se mettre dedans. Comment ça, je crie? Ah, vous feriez quoi à ma place? Ah, mais non, alors ça c'était très laid, très très laid. Je refais plus, là. Je refais plus l'image. Hop, hop, blablabla. Blablabla. Oui, celui-là, je le sentais plus, quoi. Il n'y en a pas beaucoup que j'ai senti depuis le début de ces deux derniers niveaux là qui sont quand même terribles. Oui, le laser, il n'y a pas eu le temps de le faire celui-là. Alors vous ressortez dans un état de nerf d'une session de ce jeu assez impressionnante, quoi, parce que pour rester zen, justement, il faut être tout tendu. Ah, je lui mets la purée dans celui-là parce que j'ai pas envie de me fatiguer. Ah, il bouge trop vite mon truc. Il y a peut-être une touche, hein, je sais pas. Oh, dommage. Moi je trouve qu'il bouge trop vite ce vaisseau. Bon, là, c'est ma propre connerie, par contre. C'était fatal. Ah ouais, ce vaisseau bouge trop vite, à mon goût. Ouais, il joue une couleur, hein. Tiens, prends pas dans la gueule, celui-là. Hop, on va s'arrêter ici. Et donc, bah, c'était un petit test à l'arrache de Psyvaria version PC pour voir si le remake était bien fait. Ouais, c'est que du bon, je dirais, vite fait, comme ça, en mettant le nez, en passant. Ceci dit, j'essaierai d'approfondir un petit peu plus le mode supplémentaire là pour voir ce qu'ils ont pu rajouter comme subtilité, parce qu'ils n'ont pas dû amener ça gratuitement, j'imagine. Alors concernant les éditions originales, bah, je vous invite à farfouiller dans la playlist Shmup de The Big Gamoski, puisque vous avez le premier, Psyvaria, et puis vous avez également la version Révision qui est sortie peu de temps après, 2 années après je crois, qui ont été testées. Ce sont les versions arcade, comme ça vous pourrez voir les grosses différences, malgré que l'ému soit pas parfaite, je dois l'avouer. Sur ce, bis, playlist, bouton d'abonnement, et on se retrouve tout bientôt, que ce soit pour une découverte nouveauté ou du shmup. Ciao.